Au Sénégal, l'effondrement d'un immeuble à Dakar a fait 7 morts et plusieurs blessés, a indiqué mercredi le président sénégalais Macky Sall. Toujours au Sénégal, la mission déployée par l'Union européenne pour observer la présidentielle du 25 février demande à rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné. Au moins 12 bûcherons ont été tués dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun, lorsque leur véhicule a heurté une mine dans une zone où les djihadistes de Boko Haram sont actifs. En République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées, dont 5 dans une église, lors d'une attaque menée mardi soir dans l'est du pays par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique selon des sources locales.